Chers amis du Parti québécois, notre parti a dépassé son objectif de campagne de financement 2010. Ce succès, c'est le résultat du travail de centaines de militants. Votre résultat. Vous avez travaillé partout au Québec. Le Parti québécois a pu compter sur cet appui populaire pour soutenir son action, préserver son indépendance. Mais le travail n'est pas fini. Il commence. Et je vous dirais qu'on n'est pas les seuls à le dire. Le gouvernement libéral, il est usé, n'a plus d'idées. Il navigue sans gouvernail. Les préoccupations de la population ne trouvent jamais de réponse satisfaisante. Et ça n'a jamais été aussi évident que lors du dernier discours inaugural de Jean Charest. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons non seulement la capacité, mais la volonté pour remettre le Québec sur les rails de la prospérité, de l'honnêteté, de la justice sociale. Nous avons un projet emballant à accomplir, tous ensemble, à l'unisson. Nous voulons un Québec responsable, créatif, ouvert sur le monde, dans le respect de nos convictions profondes, d'une culture qui nous est propre, dans un contexte où les intérêts de tous et chacun seront pris en compte. Cette année, nous tenons notre 16e Congrès national, sous un très beau thème, « Agir en toute liberté ». Agir en toute liberté, c'est prendre position. C'est aussi l'occasion d'adopter un programme politique moderne, audacieux, qui répond aux besoins de la population. Le changement, il commence avec vous. Le changement, le vrai changement, il réside dans notre capacité à modeler ce pays qui nous appartient, que nous avons fondé, façonné de nos mains, et qui ne demande qu'à s'exprimer. René Lévesque y a rêvé. Jacques Parizeau y a touché. Mais nous, nous tous, autant que nous sommes, nous allons le réaliser. Contribuez à la campagne de financement 2011 du Parti québécois. Branchez-vous sur pq.org. Impliquez-vous. Nous avons un pays à bâtir. Aujourd'hui, amorçons la marche qui nous y conduira. Merci.